Bienvenue à toutes et à tous. Et c'est Mister Dark 1834 et on va parler de Minecraft sur le mode HugoCraft qui se trouve dans Pupix. C'est un mode pratique et il permet de faire différentes choses comme voilà. Ça, donc je l'ai fait avec du bois là, mais on peut le faire, on peut embellir ça, donc cacher la partie où il y a les blocs. Voilà, donc là on voit pas les blocs de mouvement on et off que je vais vous montrer comment on craft et comment on s'en sert quoi. Donc on peut cacher par exemple voilà comme ça. Mettre ici mettre des grillages en bois et puis ça fait une herse. Je vais vous expliquer comment on fabrique ce style de portail de herse. Déjà, première chose, c'est que ça ne marche pas avec la pierre, l'herbe, la terre ou le sable. Voilà, je cherchais. Par contre, on peut changer ça avec cette petite télécommande, le contrôle paddle. Donc là, c'est la vitesse. Donc plus ou moins, c'est si on veut que ce soit vite ou lent. Donc là, ça va être très lent, vous allez voir. Puis roche. Denis, c'est non, c'est que ça marche pas. Là, j'ai mis ça donc avec la roche, ça va marcher. Donc voilà, ça marche. Et puis c'est lent vu que j'ai mis très lent. Voilà. Donc ensuite, là, c'est vitesse normale. Hein. Donc très facile à crafter, voilà. Enfin, à crafter, à poser. Donc pour poser, voilà, ce bloc-là, le bloc slider. Le bloc on et le bloc off. On met un cube au milieu ou 2 ou 10 ou 20. Puis on appuie, hop. Et là, il va se le faire passer, voilà. Donc on a juste à allumer et puis voilà, ça coulisse. Donc admettons, ça c'est un petit portail, donc là il est fermé. Si on appuie, hop, il est ouvert. Donc admettons si c'est un petit portail, il est fermé. On appuie, voilà, hop, c'est ouvert, vous avez compris. Hein. Vous avez compris, c'est très facile, donc je vais vous montrer comment on crafte tout ça tout de suite. Donc alors, le bloc slider. Voilà. Ensuite, il nous fallait le bloc on. Qui est très facile à crafter aussi. Puis le bloc off, il a sa particularité, je vais vous expliquer pourquoi. Regardez, alors on met un bloc on n'importe où, hein, là, on met un bloc on dans l'établi et ça nous fait un bloc off. Et bloc off, il nous fait un bloc on. Bloc off, il nous fait un bloc on. Donc le bloc on, le bloc off, il se crafte avec le bloc on, quoi, il s'échange. Voilà, très facile à crafter. Donc ensuite, pour ceux qui connaissent pas la torche de redstone, voilà, ça se craft comme ça. Puis pour ceux vraiment qui savent pas, ça c'est de la redstone, ça se trouve dans les mines et avec une pioche normale, voilà, on le mine. C'est très simple. Donc ensuite, on va passer à deuxièmement au canon. Voilà comment se craft le canon. Puis le contrôle paddle aussi, le contrôle pan. Je vous ai dit voilà donc le canon on met n'importe quel bloc donc admettons je mets voilà ça va l'envoyer en l'air mais par contre il faut que ce soit bien proportionné donc là il y en a un donc il va partir tout droit va revenir tout droit mais si j'en mets deux il va pencher et donc le bloc va arriver vers ici je pense donc je vais pas vous montrer parce que j'ai pas trop le temps donc voilà. Quand on appuie dessus, il faut qu'on ait aucun lama vide pour pouvoir le remplir de TNT, puisqu'il se remplit de TNT. Donc, je mets la TNT. Je vais le faire partir une fois pour vous montrer. Donc voilà, ça part, ça va revenir au même endroit. Pour ceux qui ont des idées de trampoline, tout ça, non, je vous dis direct. Ça marchera pas parce que on traverse le bloc où il y a des fails, des problèmes, voilà. Donc ça marchera pas, vous allez mourir ou vous.
Ça a pas marché quoi, donc je vous le dis. Ensuite, deuxièmement, on va voir le portail classique. Voilà. Qui est aussi pas très dur à comprendre et à crafter, donc on met un bloc de rotation de chaque côté et on pose on met un bloc de rotation de chaque côté et on pose ce qu'on veut qui tourne dessus quoi. Donc je vais vous montrer comment on le craft. Voilà, maintenant je vais le poser et vous montrer. J'en avais déjà fait un petit ici pour vous montrer à l'extérieur. Donc voilà. Là. Hop. On va tout enlever pour voir. Hop, voilà. Donc voilà, ça tourne. On peut en mettre 2, 15, on peut mettre pas forcément du bois, on peut mettre voilà. Même principe pour la pierre et tout ça. Puis même principe pour la vitesse, hein, c'est pareil de partout, donc je vais vous montrer ça. Là, ça tourne plus vite. Ensuite, je vais vous montrer le... Ça tourne plus vite. Donc je vais vous montrer le sens, la direction. Donc là, et on rappuie, il sera pas dans le même sens. Donc je... Hop. Voilà. Tout à l'heure, il tournait vers moi, là, il tourne face à moi. Ensuite, pour séparer, parce que vous voyez bien que... Il tourne pas, il tournait pas en même temps le portail là-bas là. Donc là il tourne séparément tous les deux. Parce que j'ai mis une petite plaque que je vais vous expliquer après. C'est le truc voilà. Donc là je l'ai enlevé la plaque, elle est invisible. Ah, ça marche plus. Ça tourne pas en même, ça tourne en même temps quoi. Enfin, il y en a qu'un des deux qui prend quoi. Donc je vais vous montrer la plaque en question. Excusez-moi pour les petits bugs. La plaque en question, on va aller la chercher puisque elle est là. Elle se craft comme ça. Il va falloir que je la prenne de mes mains. Elle se crafte comme ça. Donc c'est très simple à crafter. Et donc on en met deux, voilà, pour faire une séparation en quelque sorte. Puis après on peut mettre les blocs par-dessus. Et voilà. Donc là ça... Voilà. Là on les voit. Et tout à l'heure ils étaient invisibles. Alors je vais vous expliquer comment. On prend le contrôle paddle, là. Contrôle pan. On appuie. Et là on a plat de camouflage. Donc on met... Hide avec hide, hop, invisible. Donc aussi après très simple pour changer le centre de rotation. J'ai déjà expliqué voilà. Pour que ça tourne dans le même sens. Il faut après on règle la vitesse, tout ça en enter pour faire quelque chose de plus joli comme là-bas. Puis ensuite alors qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ah oui, voilà. La même plaque que la blanche mais en bleu qui se craft comme ça. Donc j'espère que ce tuto vous aura été très utile. Si vous avez, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, bah petit commentaire dans la description, je vous répondrai, je vous expliquerai mieux. Si même si jamais comme c'est mon première vidéo, si je l'ai loupé et que vous comprenez pas, j'en referai une autre. Et un petit like, ça fait toujours plaisir.